Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Cyberpunk 2077. Et on venait d'arriver avec Brigitte. Je sens pas trop la fibre religieuse. On a laissé nos dieux à Haïti, mais on est fort ici sans eux. C'est stylé. Par ici. Placide, comment ça se fait qu'il savait pas pour la biopuce? Il l'a pas reconnu sur les scans. Peu d'entre nous sont au courant pour la tour Konpeki. Et Placide, il est... Il y a une bête des bas. Où est-ce qu'on va? Tu le sauras bientôt. Ils sont tous défoncés. Oh, on est dans le mal. Watcher n'a pas remarqué la biopuce en toi. C'est étrange. Tu leur n'es pas laissé l'occasion. Tant mieux. Ça nous compliquerait le travail. Un ancien tunnel de métro? Non. Un bout du réseau intercontinental Maglev. Quand tous les états étaient connectés. Comme le net, il s'est effondré après la guerre. Virez courant. Des préservatifs, évidemment. Oh! Putain, ils sont bien posés. Hein. Bon. On va t'emmener dans le cyberespace. C'est l'endroit parfait pour te laisser interagir avec le construct. Attendez, minute. Je veux d'abord savoir pourquoi vous avez besoin de Silver End. On veut contacter Alt Cunningham. On sait qu'elle était proche de Silver End. Alt? La relique qui était entre les mains d'Arasaka. C'est notre seule piste. Alt Cunningham. Je connais ce nom. Oh. D'où? Et par qui? C'est quoi votre plan pour contacter Alt? On va tenter de récupérer une partie unique de l'engramme de Silver End sur la biopuce. Alt le saura. S'il lui reste une part d'humanité après toutes ces années derrière le mur noir, elle répondra. Quoi? Vous avez jamais parlé de percer le mur noir? Je viens de le faire. Connexion connectée. Connexion stable. Jenny. On dirait que tu vas servir d'appât. Ça te dérange pas? Non, c'est bon. Fais ce qu'elle demande. Quand faut y aller. Petit enfer. Léon avec Jean Kiri. Bon. Et maintenant. Il paraît. Johnny. Paris plongé. On est où, là? Notre forteresse de données. Notre forum. Une passerelle vers le DeepNet. Alors, on fait quoi? On peut commencer. Tout est prêt. On a amplifié temporairement ta connexion au réseau neural de Silver End pour prendre le fragment. On doit trouver les données sur Alt. Et rien que Alt. Ça devrait prendre juste. Brigitte? Brigitte? Année 2023. Ah.
qu'est-ce qui se passe? Autres ont complètement laissé tomber. Ils se disent qu'ils pourront plus jamais être raisonnés. Ouais, t'es complètement taré. Je suis le seul à avoir une vision des choses. Alors, si t'as pas mieux à proposer, je te l'ai déjà dit, va te faire foutre. Putain. Chérie. Hein? Alors, on est pressé? Regarde-toi, tout tendu et plein de sueur. Ah! C'est Johnny. Putain, sacré début d'épisode là. Merci Brigitte. Que tu fous tout en l'air à chaque fois qu'on passe un bon moment. Surtout quand tu passes un bon moment. Ah. Faut assumer, Johnny, faut assumer. T'es vraiment qu'un connard quand tu veux, Johnny. Ça baignait entre nous, mais d'un coup, on n'est plus satisfaite. Putain, je rêve. Tu savais quand même dans quoi tu t'engageais, non? Écoute, si t'étais qu'un autre blaireau charismatique, mais narcissique, qui poursuivait son rêve de célébrité comme un gland. Je m'en foutrais. Mais c'est qu'un gros mensonge. Ce concert, samouraï, tout ça, c'est qu'une putain de fiction. T'es pas un rocker boy, Johnny. Admets-le. Tu serais plus à ta place parmi ces cinglés câblés qui écument de rage dans les rues en hurlant « Mort à Arasaka !» Ah, je vois. Tu crois que tu sais qui je suis, hein? Tu sais parfaitement ce que je veux dire. Regarde-toi. Tu te mens à toi-même. Mais c'est sûrement ce que tu fais le mieux. Te mentir. On va en rester là pour aujourd'hui, hein? Tu peux te casser. Intenable. Tu sais, je me disais... Je veux plus t'entendre. Pigé, ferme-la, pour une fois. T'es vraiment un cas désespéré. Tu sais que dalle sur moi. Y'a que ça entre nous. Rien de plus. Petit bâtard, hein.
où tu vas. J'ai un rendez-vous. Silverhand ! Hey ! Trop fort le son. Allez, je te raccompagne. Allez, fais-toi pardonner un peu. T'as plus de booster, je parie. Don't kill me, cause I'm zeros and ones. Allez, tu vas me faire la gueule combien de temps ? Down the rebel path. Viens, faut qu'on se tire. Tu viens boire un coup, Silver Rocker ? Une autre fois, Chumba. Mais s'il y avait pas d'autre fois ? Ah. Hein ? Johnny Boy. Non. Par derrière, le traître. Allez vous faire foutre, me touchez pas. Johnny, lâchez-moi. J'aime bien leur mise en scène à chaque fois quand même, c'est bien fait. T'es pris dans l'histoire quoi. Minuit. Allez, réveille-toi. Ça faisait un bail, Johnny Boy. Ça fait quoi ? 2 semaines depuis ton dernier rafistolage. Alt, elle est où ? Qui est où ? La femme qui était avec moi. Il m'a ramené que toi. Merde, ils l'ont emmené. Personne n'a rien vu. Demande à ton sauveur. Il dit qu'il s'appelle Thompson. C'était toi, là-bas, sur Watts. Il faut qu'on parle. Bon. J'ai recollé comme j'ai pu. Mais ça devrait tenir. Repose-toi un peu. Quelques heures. Le temps que les sutures prennent. Ah. Johnny. Ah, et puis merde. Tu m'écouteras pas de toute façon. Qu'est-ce que t'as vu ? Pas grand-chose de plus que toi. C'est elle qu'il voulait. Toi, t'étais au mauvais endroit. Et toi, t'es resté là comme ça, la bite à l'air, à mater comme un con en rêvant de demain. On se serait fait larder tous les deux si j'étais intervenu. T'as vu les réflexes du Zig ? Non, bien sûr, il était trop rapide. Ce genre de tech, ça se trouve pas dans une poubelle. Bon. Tu veux quoi ? Tu cherches un scoop ? De quoi alimenter les infodocs ? C'est pour ça que tu m'as ramassé sur le pavé ? Non. Je le tenais, mon scoop. Mais des Zig l'ont balancé au fond d'un van avant de filer. Tu comptes... faire quelque chose pour elle ? C'était bien ta femme, non ? L'enlèvement d'Alt, c'est un dommage collatéral. Ils l'ont prise pour m'atteindre. Tu sais même pas comment elle gagne sa vie, hein ? C'est une des meilleures runners au monde. C'est elle qu'Arasaka voulait. L'enlèvement était un échange intercorpo standard. Rien de plus. Bon, alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Le tueur d'âme, une IA. Ça te dit quelque chose ? Ouais, un peu. Une légende urbaine avec un nom vraiment pourrave. Gour, le tueur d'âme existe. Et Tchumba d'Arasaka viennent de recruter la runner qui l'a écrit.
Tu réalises ? Arasaka avec le tueur d'âme dans leur poche. Il y a de quoi s'inquiéter. Imagine un peu, Rocker Boy. Arasaka va devenir invincible. Mais quel ramassis de conneries. Allez, on se bouge. Bien, je t'écoute. C'est quoi ton explication, alors ? C'est un coup vieux comme le monde. Arasaka voulait me provoquer. Et ça a marché. Bon, alors, est-ce que tu viens ? Hein ? Où ça ? La tour Arasaka. On va récupérer Alt. Quoi ? À deux ? T'as complètement perdu la boule ? On va faire un saut à l'Atlantis. J'ai quelques tchoums là-bas. T'attends dans la caisse, mais pas trop longtemps. T'attendra aussi longtemps qu'il faudra. Elle est où, Rogue, bordel ? Assis. Pas bouger. Silverhand ! J'ai ton autographe sur une facture, là. T'as pas vu Rogue ? Elle est en haut. Mais je croyais que vous deux... Ouais, ouais. Du mal comprendre. Putain de merde ! Hey, Johnny, tu me files un coup de main ? Je croyais que tu voulais plus me parler. Ah ouais ? Bah là, je te parle. Et maintenant ? Maintenant, tu peux aller te faire mettre. Ah. Tu sais à qui il a causé ? Non. Ah non. Y'a pas quelqu'un à interroger ? J'ai aucun souvenir, désolé. Non, je vois pas ce qui a pu se passer. Hé, hey, tu te crois où ? Ah, c'est toi. Ouais. Non, non, tu peux la garder. Je sais pas où ta bouche a traîné. C'est Silverhand. Apparemment. Quoi, t'as oublié à qui t'avais filé le job ? Tu voulais buter deux fois sur 3 minutes pour sortir du bâtiment. Assis là-bas, 10 mètres. C'est un tableau. Un saut barman. T'as vu Rogue ? Non, pas aujourd'hui. Johnny. Comment est-ce que tu vas, Engels ? Il y a une réunion en cours. C'est privé. Est-ce que Rogue est là aussi ? Ouais, mais... Ouais, je sais. Réunion privée. J'ai entendu. Je te promets d'être super discret. Est-ce que je peux détester cette ville de merde ? J'ai une arme ? Je peux pas dégainer. Johnny ? Je te connais pas. C'est pas un souci. Ce qui compte, c'est que tout le monde connaît Johnny Silverhand. J'ai besoin de ton aide. On attend un client. Le genre qui apprécie la discrétion. Tu m'en veux toujours pour cette histoire ? De quoi tu parles, Johnny ? Du fait de m'avoir menti sans sourciller ? D'avoir mis en jeu la vie de mes amis ? Ou du fait que tu tringlais 3 autres fans dans mon dos, alors qu'on était encore ensemble ? J'ai un boulot. Un truc qui urge. Mais je les ai dit. Combien ? Te mêle pas de ça. C'est pas tes oignons. Si. Depuis que le Rocker a sorti son larfeuille. T'as pas compris ? Il est pas du tout là pour le boulot. Il vient me faire chier. La dernière alors, fois, sois plus maligne cette fois. Demande le pognon d'abord. Alors, le Rocker, combien ? C'est important. Votre prix sera le mien. Ah, ça veut dire que soit t'es blindé de thunes, soit tu penses qu'on va y rester. Dans tous les cas, le Rocker, tu nous accompagnes.
Marche est conclue. C'est ça. C'est urgent, en effet. Bordel, Johnny! T'as pas remarqué que t'étais suivi? Monsieur Silverhand, vous allez venir avec nous. Pas de problème. Je finis juste mon verre. Au boulot! Putain, quelle popularité! C'est bloqué, on est mal. Neutralisez-le! C'est juste l'échauffement! Oh là! Sérieux? Tu vas chez qui cette fois, Johnny? Ouh. Je dois avouer que ça s'est bien passé. C'est utile finalement, quand tu veux. Allez, on se dit. Vous voulez jouer comme ça? Eh, bougez-vous, les vieux. J'ai qu'une arme, moi. Ouais. L'ascenseur, vite! Tu l'as pas volé. Ça va prendre encore longtemps? J'ai des montagnes d'emmerde. Parez ce que vous voulez qu'il y en aura d'autres en bas. On va s'amuser. Hop, bouclier humain. Tu viens? Thompson m'attend dans la voiture. Qui ça? Un journaleux, tu le connais pas. Allez, on fonce! Putain! La couverture! Oh là là, quand il recharge, c'est magnifique. J'ai pas de heal. Oui, oh, t'es l'air pas. Petite Porsche 911. Touche la caisse, on est foutu.
il tire à la sauf devant. C'était mal fait ça. Ah, la sensation de vitesse est nulle là. Putain, on a la voiture en feu. Thompson, on a la voiture en feu. Sortir de chez Arasaka. Alt Cunningham, une Netrunner d'ITS. Ah. Uh-huh. La tour, sûrement là-bas qu'ils l'ont emmené. De mieux en mieux. Vous comptez vous y prendre comment, les Pommards? L'un de vous a un plan? Ouais, on va faire du bruit, détourner leur attention. On va s'installer juste sous les fenêtres d'Arasaka et envoyer du gros son. Tout volera en éclats. Ce sera un concert mémorable. Nous n'avons pour l'heure aucune information sur le nombre exact de blessés lors des émeutes. Mais nos reporters sont sur place au pied de la tour Arasaka. Et ils sont tous du même avis, un agent psychoactif a été dispersé sur le site. Toute la foule est affectée. Génial! Et hop, nous on s'arrête ici pour cet épisode. Et bah comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce en l'air, ça motive. Et si vous voulez en voir plus, abonnez-vous. Allez, à plus tout le monde, ciao!